Si ce soir t'es chaud, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Tout le monde, même sur la buvette, c'est juste pour toi là-bas. Tous les Bordelais, tous les présents ce soir, tous ensemble, quand le mirage se met à chanter, le qui va s'enflammer. Allez, 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 Thank you.
s'est passé après la Coupe. Zinedine Zidane et ses compères Christophe Dugarry et Vicente Sarasou, finaliste de la Coupe UEFA avec Bordeaux en 96 et champion du monde en 98 avec l'équipe de France, les plus célèbres frères d'armes du Parc Sud. Et son légendaire numéro 10 sont à bord. Le plus grand joueur de tous les temps, le génie absolu de ce sport, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil, auteur de plus de 1000 buts dans sa carrière, affronte les Girondins avec Santos en amical. Le score est presque anecdotique, deux buts partout, mais l'occasion est unique de voir le magicien dans ses œuvres. Souvenir magique pour tous les fans, des anonymes aux plus célèbres. Naples en 89 voit surtout par un trio infernal en attaque, composé de Carreca, Carnevale et surtout Diego Maradona. Le génial argentin s'est produit deux fois à Bordeaux, en 1983 avec Barcelone pour le centenaire des Girondins et en 1987 avec Naples en Coupe UEFA. Un an après son triomphe en Coupe du Monde avec l'Argentine, Diego Maradona a donc défié Bordeaux. Ce petit bonhomme, qui n'a presque rien d'un sportif de haut niveau, a un rayonnement pour le moins impressionnant dès lors qu'il est sur un terrain. Il est partout où il faut et instinctivement, le ballon vient à lui. Qui aura la charge de le marquer ce soir? Jordi Gana sans doute, en l'absence de Rohr, a l'expérience nécessaire pour limiter son champ d'action. D'ailleurs, quand on lui demande ce qu'il connaît à Bordeaux, Diego répond « Ferreri et Tigana ». Ce sont deux très bons joueurs, ils seront les plus dangereux. C'était marquant de jouer contre lui. Il me semble que Maradona était avec nous. Avec lui. C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est Barcelone avec Maradona, avec tous les garçons qui composaient cette équipe. Il est français, il est devenu un joueur immense à la Juventus avec qui il fut notamment trois fois champion d'Italie et triple ballon d'or. Michel Platini sur le sol bordelais. C'était il y a tout juste 30 ans, en avril 1985, lors d'une demi-finale européenne mythique. Un soir où la qualification italienne pour la finale n'a tenu qu'un but. Du paddock, la coupe des vestiaires du terrain, en passant par le tunnel. Le 250 mètres dans les entrailles du stade. Avec parfois au bout quelques matchs d'anthologie, entrés au panthéon du club et du football international. Mercredi 20 mars 1968 en Italie, en quart de finale de la Coupe UEFA. Cette année-là, Bordeaux dispute même la première et unique finale de Coupe d'Europe de son histoire. On s'attendait avec le joueur, c'est vrai qu'il y avait une telle atmosphère, une telle ambiance particulière. Le concentré à le traquenard, L'histoire des Girondins à l'escu de la Chavon, c'est tout ce qui fait rivalité avec Marseille. De la guerre des années 80 entre Baize et Tapie à la démonstration de 99 avant le 5e titre de champion au but très précoce de Jussy, chaque épisode est resté gravé dans toute la vie. L'épopée de Bordeaux dans son stade ne s'est pas simplement écrite en grand coup. Ce fut aussi une histoire d'homme et certains ont marqué profondément leur époque. Le parc Lescure fut ainsi renommé, stade Jacques Chaban-Delmas. Un maire
et un président aussi charismatique que controversé. Claude Bess, condamné pour escroquerie. Je suis épuisé. En bientôt 19 ans de présidence, Jean-Louis Triaud a tout vu de son fauteuil de président. Personnage atypique, proche des joueurs, depuis le début de son ère en 1996, Bordeaux a remporté tous les titres nationaux, deux championnats, trois titres de la Ligue, une Coupe de France et deux trophées des champions. Un monument de la ville, un monument du club, on va dire adieu à une partie de nos vies tous, nous les ultras, vous les supporters des Girondins, mais aussi des milliers de personnes qui depuis 10, 20, 30 ou 40 ans passent leur week-end dans ce stade. Beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup d'émotions, une seule chose à vous dire, adieu les cures, adieu les cures, adieu. À tout le virage, les gars, un autre champ, viens!